Tous nos collaborateurs sont occupés en ce moment. Merci de rester en ligne. Nous vous répondrons dès que possible. Je suis censé aller chercher un colis assez important à la poste. Parce qu'en vrai, il est passé ce matin avec le colis, mais je dormais, donc j'ai pas entendu la sonnette, je pense. Et du coup, bah, il l'a ramené au bureau de poste. Et le problème, c'est que sur la feuille qu'il m'a écrit, c'est écrit qu'il faut venir le chercher le lendemain. Tu peux pas venir le chercher le jour même, mais j'ai quand même envie d'aller le chercher aujourd'hui. Mais vu qu'ils répondent pas, je pense que je vais aller là-bas. Et on va voir si je peux le prendre ou pas, directement. Maintenant, il faut espérer qu'ils soient d'accord que je prenne le colis aujourd'hui. Sinon, je dois revenir demain, ça me fait un peu chier, je suis venu jusque-là pour rien. Covid l'oblige. Much later. Ah, fait chier. Il l'avait pas, je dois revenir demain. Bon, voilà. Tant pis. Putain, à part ça, à la poste, pendant tout le long que j'étais au guichet, il y a eu peut-être deux ou trois musiques qui sont passées à la radio, c'était que des musiques de TikTok. Franchement, faut arrêter. Bref, concernant le concours, je crois que vous préférez que je vous fasse gagner un truc par jour plutôt qu'un gros cadeau à la fin du défi. Du coup, c'est ce que je vais faire. Dans chaque vidéo, je vous donnerai une petite devinette et puis ce sera à vous d'aller du coup sur Instagram répondre à la devinette. Il y aura un post exprès pour ça, vous verrez. Et ça, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, du coup au moment où je vous ferai gagner le premier prix. Je vous expliquerai tout comment ça se passe. Et là, concrètement, j'ai rien à faire, c'est bientôt 15h. Je pense que je vais manger un petit truc et après bah, je vais aller rider, je vais faire le premier tricks que je n'ai pas encore choisi. Donc vous le savez déjà parce que vous avez vu le titre de la vidéo, mais moi à ce moment précis je n'ai pas encore choisi quel tricks j'allais faire. Faut quand même que je prenne un peu d'énergie si je veux pouvoir réaliser le tricks après. Je pense que je vais essayer de faire le 3-6 en BMX. C'est un tricks, bon vous le savez déjà, hein, mais je suis incapable de le faire. Déjà je tourne dans le mauvais sens, donc j'ai un handicap 3-6, c'est un tricks que j'ai jamais fait. À part une fois en dropant dans une courbe, mais là, bah voilà, je vais essayer de m'y mettre à fond aujourd'hui et de le plaquer, même si c'est en descendant quelque chose ou quoi, juste faire un 3-6. Depuis le road trip que j'ai fait avec Seat, j'ai pas monté mon vélo. Et je me lance le défi de faire un tricks par jour. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Du coup aujourd'hui il faut que je plaque un 360 en BMX. Et ce tricks m'a été proposé par Tom Raul ou Tom Raoul, enfin je sais pas comment on prononce, désolé. Mais aussi Lucas Messelo, 3-6 flat, donc comme j'ai dit ce sera peut-être pas forcément flat totalement, mais je le compterai quand même. Il y a aussi Josevé69 qui m'a proposé et Louis MLT. Voilà, le seul truc qui m'inquiète un peu c'est que c'est 15h30 et il y a le soleil, il est en plein milieu là, il est en train de taper comme pas possible. Juste le fait de monter mon BMX, ça m'a fait transpirer de ouf. Donc imaginez essayer un 3-6 sous cette chaleur, c'est le défi, ça fait partie du défi donc je vais le faire. Mais je vais en chier, clairement. Hein. Allez, c'est parti. Bon voilà, je suis arrivé, c'est un peu comme je pensais, il y a toutes les voitures là et tout. Je vais m'échauffer un petit peu comme ça fait plus d'un mois que j'ai pas ridé en BMX. Pas faire 3-6 tout de suite. J'ai un problème avec ma roue avant, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous avez entendu le bruit que ça a fait. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Vous avez dit que les 3-6 c'était pas fait pour moi. J'ai réussi. C'est la première fois de ma vie. Attendez, j'ai fait combien d'essais là? J'ai fait le premier, je me suis cassé la gueule. J'ai fait un deuxième. J'ai réussi le 3 ou 4ème essai. Je l'ai jamais fait de ma vie. Je vous jure, bon, c'était pas parfait. Après 3 essais, 3-4 essais, alors que ça fait plus d'un mois que j'ai pas ridé, c'est abusé. Je pense que c'est un peu moche. Mais c'est pas grave.
Je l'ai réussi, c'est ce qui compte. Putain, je pensais pas que j'arriverais aussi vite. Je vais essayer de le replaquer une fois déjà pour commencer. Je sens qu'il est dégueulasse, mais je suis content, c'est la, vraiment, c'est pas une blague, c'est la première fois que je le plaque en flat. Hein. Je vais le refilmer une fois dans dessus avec le drone. Premier jour du défi, premier tricks réussi. J'espère que ce sera aussi fructueux pour la suite. Regardez juste la bouteille que j'avais prévue pour faire ce tricks parce que je me suis dit j'y arriverai jamais, je vais passer toute la journée. Donc je me suis fait une méga bouteille d'un litre et demi avec des glaçons dedans et je n'en ai même pas eu besoin. À l'instant de recevoir un mail de la poste comme quoi mon colis était prêt à être retiré. Donc je vais aller le chercher et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ta gueule. Je vais pas me coller trop à toi parce que je te fais pas confiance avec ta camionnette. Alors en fait c'est pas du tout le colis que je pensais parce que moi j'attendais un truc assez important que je vous montrerai bientôt et c'est absolument pas ça. Regardez, c'est une télé. Je vous expliquerai. Parce qu'il y a longtemps, il y a LG qui ont sorti un téléphone. Et en fait, si tu commandais un téléphone LG, tu recevais la télé gratuitement. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ce téléphone dans, bah évidemment, dans l'optique de le revendre juste pour avoir la télé. Et du coup, bah j'avais complètement oublié que j'allais recevoir une télé. Et là, quand je suis venu chercher mon colis, je m'attendais à recevoir autre chose, que j'attends aussi depuis un petit moment. Et non, c'est la télé. Ça, c'est la télé que mon frère me prête depuis des années. Du coup, je vais pouvoir lui rendre parce que maintenant, j'ai la mienne. En plus, avec l'arrivée des consoles next-gen, c'est quand même bien d'avoir une télé 4K, HDR, tout ça, quoi. C'est tellement bien rangé. Ce sera parfait pour jouer avec ça. Maintenant, on va passer à l'étape du concours. Donc, comme vous l'avez choisi, je vais faire gagner un article par jour. Donc, un article pas très cher, vous vous en doutez. Et d'ailleurs, j'ai pas énormément de cadeaux à vous faire. Il faut si possible que ça ne dépasse pas les 15€ parce que forcément 15€ par jour pendant 31 jours, ça va faire déjà très très cher. Donc si vous avez des idées de petits trucs qui vous feraient plaisir, mettez des idées dans les commentaires. Ça peut être des codes cadeaux, des trucs, je sais pas, Spotify, Netflix, carte App Store. Donnez-moi un peu des idées dans les commentaires. Ça peut aussi être des outils ou vraiment tout et n'importe quoi. Faut juste pas que ça soit trop cher. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire gagner un pack de 3 chambres à air pour BMX. Donc maintenant, pour participer au concours, je vais vous poser une devinette. Voilà, ce sera toujours comme ça dans chaque vidéo jusqu'à la fin du défi. Je vous poserai une devinette et il faudra me donner la bonne réponse. La réponse, il faudra aller me la donner sur Instagram. Donc je vous explique, en fait, chaque jour je vais poster une photo ou une vidéo, vous verrez, et du coup ce sera écrit dans la description que c'est par rapport au concours, et c'est dans les commentaires de ce post Instagram qu'il faudra que vous mettiez la réponse. Comme ça je pourrai choisir sur Instagram un gagnant, mais je précise qu'il faudra être quand même abonné à ma chaîne YouTube. Si je fais comme ça, c'est juste parce que c'est plus facile de contacter quelqu'un sur Instagram que sur YouTube, parce qu'en fait ça c'est impossible. Voilà pourquoi je vous demande de participer sur Instagram, c'est vraiment pas compliqué, vous allez sur mon compte @thenozilac, ça s'affiche ici, il y a aussi le lien dans la description, et vous verrez le dernier post. Voilà, chaque jour il y aura un post en même temps que le concours, et du coup vous pourrez aller participer. Et comme j'ai dit, pour participer il faut être abonné à cette chaîne YouTube, et pour les petits malins qui pensent que je ne peux pas le voir, je peux le voir. Parce que dans l'application studio de YouTube, je peux voir qui est abonné à ma chaîne, donc ne vous en faites pas, je peux vérifier. Donc maintenant je vais vous poser la devinette, donc peut-être que des fois ce sera simplement une question de culture générale, ou sur le BMX ou comme ça, mais dans cette vidéo ce sera une devinette. Concentrez-vous. En hiver, il a perdu presque toutes ses feuilles, mais ce n'est pas un arbre. Qui est-ce? S'il vous plaît, évitez de mettre la réponse dans les commentaires, ça sert à rien et de toute façon je supprimerai direct. Allez mettre la réponse sur Instagram, sur le dernier post correspondant au concours, comme je vous ai dit. Et je vais prendre tous ceux qui ont mis la bonne réponse dans les commentaires et là je ferai un tirage au sort parmi eux. En tout cas voilà, c'était le premier jour de ce défi et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça va vraiment être compliqué parce qu'on se rend pas compte le temps que ça prend en fait de tout filmer et j'ai même pas encore commencé le montage. En tout cas j'espère que le format vous plaît, forcément une vidéo par jour, il va falloir que je vous montre un petit peu tout et n'importe quoi pendant
de ce que je fais pendant ma journée, parce que il faut que je trouve des idées, c'est juste pas possible de sortir un truc de fou tous les jours. Et j'espère du coup bah, que ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires, on discute, donnez-moi vos retours, donnez-moi vos conseils, si vous voulez que je filme d'autres choses, etc. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.